Bonjour, je suis coach Joël Tamara, ça c'est ma vidéo coach newsletter. Aujourd'hui, on va aborder le sujet que j'ai titulé « Elle m'a dit, t'es qui ?» quand je l'ai appelée. J'ai eu un entretien avec un de mes clients et elle m'a expliqué sa situation. Elle m'a dit « Salut coach, je ne comprends pas pourquoi une fille va te donner son numéro et devant toi, elle parle bien, fait comme si elle est intéressée, elle la donne, je vois même, te donne des bons signes. Rigole bien, c'est bien passé, j'ai bien parlé avec elle. Mais après, quand je vais l'appeler, après quelques jours au lendemain, elle va me dire, elle ne me connaît pas, elle va me dire, t'es qui, je ne te connais pas. Pourquoi les gens, pourquoi les filles se comportent comme ça? Je dis, man, il ne faut pas prendre ça personnellement, il ne faut pas se fâcher, c'est normal. Pourquoi je dis c'est normal? Parce que peut-être quand la façon que tu étais présenté, ils voient que tu es quelqu'un qui ne va pas accepter de nous. Parce qu'il y a certains qui vont être chiants, ils vont la saouler, ils vont la fatiguer jusqu'à ce qu'il va avoir son numéro. Ou, voilà. Donc, quand elle voit que elle est estimée que tu es quelqu'un comme ça, donc elle préfère te donner parce qu'elle a déjà rencontré peut-être pas mal de gens pas mal de gens qui se comportent comme ça. Donc, elle ne veut pas perdre son temps. Elle sait que quand elle parle de donner son numéro, ou peut-être elle te donne un faux numéro, elle part comme ça, elle peut utiliser ça pour te débarrasser facilement. Des fois, elle va te même donner, voilà, elle donne le vrai numéro, le bon numéro, mais quand tu l'appelles, elle va faire semblant que ce n'est pas le bon numéro. Mais devant toi, c'était le bon numéro. Donc, tu ne le prends pas personnellement. C'est sa façon de te juste pour te débarrasser parce que c'est le comportement de nous les hommes qui fait qu'ils se comportent comme ça. Donc, c'est pas grave. C'est pas important. Par exemple, moi, si c'est moi, j'appelle une fille comme ça, elle m'a dit, ah, tu dis ton nom, ok, par exemple, Joël dit, salut, c'est Joël, ça va, Emily? Elle va dire, Joël, Joël qui? Tu dis même pas ton nom, tu dis juste ton prénom. En plus, tu dis même pas de où tu l'as rencontré. Tu dis juste Joël encore. Oui, c'est Joël Emily. Elle dit Joël, Joël, Joël. Non, je ne connais pas Joël. Bah, tu dis directement, moi, si c'est moi, je dis, ok, je suis trompé de numéro. Bah, au revoir. Je coupe, je raccroche et je supprime son numéro parce que cette personne, elle n'est pas importante. Elle n'est pas intéressée. En plus, donc, tu ne perds pas ton temps et ce n'est pas important pour toi. Parce que si quelqu'un pense que tu n'es pas important pour lui, toi aussi, tu t'en fous. Donc, toi aussi, tu es pareil. Parce que si tu es vraiment important, si elle est vraiment intéressée, elle va savoir que c'est toi. Elle va me dire, ah, ça va, ah, ça va, Joël, ah, tu as passé une bonne journée. Elle va te poser des questions, elle va savoir comment tu vas. Ah, c'est sympa d'avoir tes nouvelles, elle va parler. Mais si tu l'appelles qu'elle ne te donne pas, tu ne t'attends pas à ses discours, tu ne prends pas la tête, c'est normal. Parce que pour rencontrer une fille, tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vas avoir des non, 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 jusqu'à ce que tu vas avoir oui. Donc, il ne faut pas mettre ça dans ta tête que tu sais déjà. Donc, il ne faut pas. C'est lui aux façons parce qu'il ne veut pas se confronter. Il ne va pas, voilà, il va pas confronter pour te confronter directement, physiquement, parce que certains, ils ont peur, ils ne veulent pas ça. Donc, pour eux, c'est facile à te débarrasser au téléphone. Ou, voilà, des trucs comme ça. Donc, il ne faut pas trop précipiter. Il ne faut pas être même être fâché. Si tu le vois, si elle te dit bonjour, dis là bonjour. Si elle ne te calcule pas tout, si tu ne les calcules pas, tu prends pas trop sérieux les trucs comme ça. Il faut pas prendre personnellement, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Donc, c'est ça que je te dis. Donc, si tu es là, si les informations que je partage ici, sont utiles pour vous, oui, si c'est utile pour vous, n'hésite pas à liker, partager. Et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.